Ah, les jolies wins sur le précédent jeu, là j'ai fait un retour sur le Solar Temple, c'est un jeu que j'avais pas testé depuis une plombe. Bon, il y a la barre des spins là, c'est une option assez intéressante, mais des fois elle paye que dalle, donc méfiance, méfiance. Alors 15, 20, 40. Allez, on va aller chercher quelques bonus à 40 balles, mais ça va pas être gagné. Bon, ça c'était des jeux que j'avais mis de côté car je m'étais pris des bonnes douilles avec. Bon, de toute façon, c'est des jeux comme les autres, des fois ils payent, des fois ils payent pas. Alors, le prochain, ouais, faudrait quand même penser à faire une petite opération de sauvetage de meubles. Peut-être tester, ne sait-on jamais, le Book of Gold ou Mr. Culver Rich. Enfin, jeux qui sont quand même des fois difficiles. Alors, la première round de Wild, ça va pas être évident, on n'a pas beaucoup. C'est un petit peu mieux. Ah, si on pouvait en avoir rouleau 2 et 3. Eh ben non, on n'a pas eu rouleau 2 et 3. Donc au final. Au final rien. Allez, on retente. Ouais, ça c'est encore une belle option de la part des programmeurs pour garder le joueur scotché. Tiens, ben, je vais finir la barre bonus. Je me rappelle bien, les trois pyramides c'est pour les free games, le truc qui sort rarement. Allez, Super Wild. Ouais, 80 balles. Alors des fois il arrive à faire des lignées de belles jokers un petit peu de partout, mais... Mes souvenirs sont bons, ça arrive pas très souvent. Voilà, pareil, il n'y a pas du wild à foison. On a déjà roule 1, 3 et 4, mais tout dépend des symboles qui va filer. Allez, go. Ah, un petit wild ici. Et un lot symbole, là, malheureusement. Ah, il aurait pu me filer un high symbole, mais non. Ouais, Solar Temple, c'est vrai que c'est une option intéressante, mais tu m'étonnes que j'avais mis ce jeu de côté. Allez, rouleau 3 et 4, un petit wild, non. Non plus. Eh ben, on l'aura pas eu. Alors, va-t-il nous filer les mêmes symboles? Aucun wild ici. Un free game, ça m'arrangerait, non. Hop. Pas mal de spin quand même pour aller chercher les wilds, donc on s'est bien fait douiller pour le moment. Allez, pas de wild en plus. D'accord, total win, non. Numéro 2. Allez, balançons sur les deux premiers rouleaux. Bon, après, ça, c'est un jeu vu qu'il file pas mal de wild au bout d'un moment. Donc, généralement, les spins entre temps, ils payent pas grand chose. Sans déconner, je vais pas tarder à mettre en mode flippette à baisser les mises. Ben non, on va pas aller loin. On s'est fait planter sur le rouleau 1. Allez hop, mise à 20.
Oh, free game. Ben, c'est déjà un miracle. Symbole transforme blablabla immédiatement. Sticky Wild. More Wilds on the Reed. Ben, j'espère bien. Ouais, j'espère qu'on va se taper quand même une petite remontée avec les free games. Alors là, on a quand même les voix statiques, mais limite, après ça, je crois que je vais me barrer de ce jeu, parce que, ouais. Voilà, coup de bol que les free games soient sortis, parce que sinon, mal barré. Alors, dommage pour la miss. Ah, quand même, il a lâché un wild en plus. Qui dit plus de wild pendant les free games et bof. Alors la madame, c'est pas énorme niveau in, c'est pas énorme. Alors en plus, big win, pas big win. Ouais, 469 pour les free games. On a dépassé le x20 par rapport à la mise, index ordinaire. Bon allez, je me lâche, je vais en retenter un dernier. Voilà, on va terminer ça, puis au revoir. Le jeu qui coûte un peu trop cher, mon goût. Alors là, on a que 3 wilds ici, on est mal barré. Eh ben on va rester là, 9056, ouais. Solar Temple, la retester, je sais pas, hein, on verra bien. Voilà quand même. Enfin, pas évident, pas évident.